Il était respecté dans le monde entier. La nouvelle vague, c'était lui, Jean-Luc Godard. Monsieur et Madame Nou ont eu une fille, ils l'ont appelée Marion. Marion Nou ? Oui, mon amour. Marion Nou. J'avais cette chance d'admirer l'homme que j'aimais. Il était sur le point de se révolutionner lui-même. Vous avez pas peur que ça dégénère ? Non, au contraire, je trouve qu'il y a vraiment une bonne ambiance, là. Fasciste de merde, salope ! Pardon, monsieur Godard, allez-y. Vous avez pas reconnu sans vos lunettes. Merci. On dit pas merci à un flic. Tu lui dis crève sa rogne, enculé. Je te prendrai par la peau des couilles avec les tripes du dernier curé. C'était ça qu'il fallait lui dire, rien d'autre. Le problème, si tu veux, c'est que je ne sais plus quoi faire. Faut inventer un vrai cinéma politique. Faut que vous fassiez les films avec Belmondo, il est bon lui, il est marrant en plus. Bon bah voilà, je n'ai pas engagé Alain Delon puis lui foutre du plume dans le cul pour faire indien. Aujourd'hui, Godard, c'est devenu ça. Un petit amuseur ridicule qui prend une pose de révolutionnaire. J'en peux plus de ce con. Je ne sais pas bien à quel moment j'ai perdu le fil. Quelque chose s'est cassé et n'a plus jamais vraiment marché comme avant. Et vous savez quoi? Peu importe, finalement. Parce qu'ainsi va la vie, à bord du redoutable. Si c'est une fille, on l'appellera Josette. Pourquoi? Je ne sais pas, j'ai toujours rêvé d'être le père de Josette. Que vous êtes bête, monsieur Godard.